Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire des tests des couleurs pour les activateurs des cellules pour les techniques Chili Art Bloom. Et on sait tous que Amsterdam, c'est une couleur qui fonctionne pour l'activateur des cellules. Et on utilise souvent les noirs et les blancs qui est des valeurs sûres. On ne sait pas si toutes ces couleurs fonctionnent, et pourquoi et comment. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire trois types de couleurs. Je vais commencer par des opaques. Donc j'ai choisi trois opaques, donc deux experts acryliques et un standard. Je mettrai les couleurs que j'ai utilisées dans les descriptions de vidéos. Les deuxièmes groupes, ça va être des semi-transparents. Donc, il y a les carmines, il y a les verts foncés et les... ça c'est vert jaune, je crois. Ensuite, on va faire trois néons. Et ces trois sont transparents. Donc on va voir s'il y a une différence entre les opaques, les semi-opaques et les transparents. Et voir si toutes les couleurs fonctionnent pareil. Attendez jusqu'au fin de vidéo parce que j'ai une petite bonus que je vais tester avec vous pour la première fois. Donc ça, on verra ensemble aussi à la fin. On attaque. Les résultats de trois couleurs opaques. Donc ça c'est le bleu, celle-ci c'est le violet et le vert. Donc tous les trois semblent de marcher. Semi-transparent et ça a l'air également de marcher. Thank you.
état avec les néons. Je pense qu'ils étaient un peu trop liquides, mais ça fonctionne quand même.